aussi ambitieux que sont ceux du haut de tableau de Ligue féminine. Allez, Anderson à 3 points. Eh oui, et quel Ligue début de match. Ah, elles sont en train de régaler là. Elles nous régalent là. Ouh, ça aurait fait mal au moral. Ouais, collectivement, c'était vraiment bien joué et ça joue très vite derrière avec Johannes qui va peut-être inscrire ses premiers points. Et Léna Sirk qui a fait son entrée également. Marine Johannes a distribué bien. Alexia Chartereau, elle les aime aussi ceux-là. Elle est capable. Chartereau, un match particulier pour elle aussi. Hein. Je parlais de Marine Johannes, mais Chartereau qui a joué à Bourges aussi. Beaucoup de joueuses hein, ont fait l'aller-retour Bourges-Lyon. Allez, Gabby Williams, évidemment. Et il faut savoir se challenger. Et donc, il faut repousser les limites du simple. Et faire en sorte, alors qu'on voit Gabby Williams, l'acrobate, son cercle. L'acrobate Gabby Williams dans les airs. Parfaite maîtrise. Et Alix Duchet qui va faire le in and out. Magnifique la relation avec Kayla Alexander. Elle a un 3 points enchaîné. On espère la voir de retour sur les terrains bientôt. Quevedo dans le corner. En 78,2 points de moyenne par match. Et Marine Johannes qui contourne la défense. Ah, magnifique cette passe. La passe laser en destination d'Elena Siak. Et tout, donnez-moi juste le ballon. Allez, Anderson qui va. Ouh, elle a glissé. Oh là, là. Le petit rodéo d'Ivan Anderson. C'est un qui demande. Ces joueuses de s'écarter en première intention. Johannes, ben voilà, il n'y a pas besoin de s'écarter. Peu match-up. Miem va se jouer d'Alexia Chartereau. Oh, magnifique. Qui souffre du dos. Qui ne décide pas cette partie. Mais Gabby Williams, elle a le dos. Allez, Williams. Elena Sia qui a la particularité d'avoir été la première joueuse de l'histoire du basket français féminin à être internationale. Et 3-3 et 5-5. Match avec Johannes qui a refait son entrée sur le terrain. Le ballon qui bouge bien. Dietrich. Eh oui, ça rentre. Tout doucement, mais on y arrive doucement. Allez, Marine Johannes. Qui va tenter de prendre de vitesse. Bien fait, ça. Ah, qui va chercher Gaudin à l'intérieur. Gaudin face à Chartereau qui ressort. Anderson, bien joué. Ça. Bien joué cette relation. Anderson-Gaudin. 45. Il y a le fadeaway. Il y en a. Allez, Miem à 3 points. Oui, Andy Miem. Qui individuellement a tourné sur peut-être en faveur d'Anderson, mais collectivement, en tout cas, c'est Lasvel qui vire en tête. Et de progression en plus. Hein. En plus, oui. Et je vous disais tout à l'heure. Et la passe d'Alix Duchet. Oui, excellente. Excellente cette. Allez, elle va le prendre ce shoot. Le court, Steinberger. Steinberger qui s'impose. Le rebond offensif est passé à plus 14. Le voici, c'est fait. Plus 14 et les supporters. Lyonnaise évidemment. T'es un tir du côté de Lyon. Non. Non, pas besoin. Non. Voilà. Et bien voilà. Et coach Gauthier. Et le point rageur. Exactement. Parce que là, Lasvel s'impose 90-76. 14 points d'écart dans ce choc de haut de tableau. Lasvel conserve sa place de leader.